Bien, oui, bienvenue sur Télé Éternel. Nous arrivons donc en place Garibaldi, en face des francs-maçons. Histoire de redire mes volontés, il y en a deux, trois de nuit debout, mais il n'y en a pas beaucoup. Ce qu'il faut savoir, j'ai la clé, bon, 10h moins 5, ça va. J'avais récupéré une clé, mais elle marchait pas dans le truc. Bon, ça, c'est comme j'ai dit à l'allemand, c'est de la X à électronique, c'est de la merde. Et moi, je vais être coulé dans le béton, là, à côté. Avec une pancarte Télé Éternel. Tu sais. Il y avait une grosse clé au Turin, je pensais qu'elle ouvrait là. Il y a un trou pour mettre une clé. Ça allait ouvrir quelque chose. Ça, c'était pas la bonne clé. Moi, je vais être coulé dans le béton ici, en face des francs-maçons. Parce que le pénitent bleu, il m'a gonflé, le prieur. Voilà. Pas mes avec ça. Et là, nous arrivons donc au café de Turin. J'ai à peu près travaillé 12 ans en cette place. Peut-être plus, peut-être moins, à peu près, on sait pas trop. On ira. Lila, 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 là. Il y a plus beaucoup d'anciens. Ici, il y a Claude. Ah, il y a Fabio. Oh. Et il y a Claude. Heureusement, il y a Fabio. Et puis il y a Christelle Marie. Oh, l'entonnoir.